Ne l'appelez pas Julie Hollande. La comédienne Julie Gayet, et désormais épouse de l'ancien président de la République, n'a pas l'intention de changer ses habitudes. Il faut dire qu'elle a bâti sa carrière sur son nom et qu'il serait peut-être compliqué pour elle de changer de nom pour suivre la tradition patriarcale liée au mariage. Elle a été particulièrement claire sur le sujet. Le plaisir d'une actrice, c'est qu'on garde toujours son nom. Je serai toujours Julie Gayet, a-t-elle confié. Questionnée également, François Hollande montre qu'il n'a rien perdu de son sens, de l'humour et de la répartie. Soucieux de préserver leur vie privée le plus possible, François Hollande répond par des boutades aux questions des journalistes. Par exemple, où le couple compte-t-il faire son voyage de noces? Bien, il répond, j'encourage tout le monde à venir faire son voyage de noces à Tulle, répond-il. On y fait tout, les victoires présidentielles, les mariages, et on y fait de très beaux voyages de noces.